le petit lapin rigolo. Milo, Milo, connaissez-vous bien ce malin petit lapin? Il est très gentil avec tous ses amis. Il écoute son papa, il écoute sa maman. Il est curieux de tout quand il joue avec nous. C'est notre ami Milo. Milo, Milo, connaissez-vous bien ce gentil petit lapin? Le poème. Alors, qui vient au tableau pour réciter le dragon et le mouton? Moi, maîtresse. Maîtresse. À toi, Milo. Merci, maîtresse. On t'écoute, Milo. Vas-y, Milo. Un peu de silence, s'il vous plaît. Tous ceux qui voudront réciter pourront le faire. Vas-y, Milo. Un dragon un peu vagabond rencontre un mouton. Un mouton couvert de glaçons. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mouton? Fais-moi du feu, je n'aurai plus froid. Le dragon... Zut, je ne me souviens plus de la suite. Alors, Milo, on ne sait pas sa leçon? Mais si, je l'ai apprise par cœur. Mais là, j'ai un trou. Eh, regarde, moi aussi j'ai un trou. Assieds-toi, Vincent. Milo a un trou de mémoire. Cela peut arriver à tout le monde. Ce n'est pas bien de se moquer. Judith, tu veux essayer? Moi? Devant tout le monde? Ce n'est pas facile. Oh! Ben quoi? Judith a raison. Parler en public est un exercice parfois difficile. Mais l'école est aussi un endroit pour apprendre à s'exprimer devant les autres. Maîtresse, je peux le faire avec Judith? Bonne idée, Milo. À deux, c'est beaucoup plus facile. Tu viens à côté de Milo, Judith? Un dragon un peu vagabond rencontre un mouton. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mouton? Fais-moi du feu, je n'aurai plus froid, gentil dragon. Merci, dragon. Grâce à toi, je ne vais plus grelotter. C'est normal. Entre amis, il faut bien s'aider. Mais comment te remercier, dragon? Faisons une partie de saute-mouton, mouton. Épatant, les enfants. Oh non, maîtresse, nous ne sommes pas des enfants, hein, Judith?